Jésus, pardonne mes péchés, en parole, en pensée, en action. 87 âmes enregistrées, conduites au Seigneur Jésus-Christ. Une moisson qui résume le triomphe de l'évangile auquel on a assisté dans la nuit du vendredi 31 mai à l'aube du samedi 1er juin 2024 à la place de la solidarité à Bengourou. Malgré les secousses de la pluie et son empiètement sur la stabilité de l'électricité, comme une armée de guerriers bravant tout obstacle pour soumettre les cœurs au règne de leur Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, les saints de l'église d'Abengourou se sont joints au pasteur Boniface Meynier pour œuvrer au salut des perdus et à la délivrance des captifs. Comme porte-flambeau de cette armée, l'orateur principal, le leader national de la CMCI Côte d'Ivoire, a proclamé l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, tant avec le micro. Ce que Satan ne veut pas voir là, c'est ça que tu vas obtenir, ce pays. Et même sans micro. Ferme la porte de ton cœur. Et toi, tu vas rester dans ton péché. Les cantes noires. Et si tu meurs dans le péché. Laisse où est tes noirs. Impossible. L'exhortation de l'apôtre Paul dans 2 Timothée, le chapitre 4, le verset 2, invitant à prêcher la parole en toutes circonstances, favorables ou non, a eu un aspect pratique de son illustration en cette nuit dénommée nuit évangélique. Programme qui a porté sur le thème « Si Jésus-Christ t'a franchi, tu seras réellement libre ». Après les témoignages du frère Charles Palé, que Jésus a délivré des chaînes de l'ivrognerie, de la sœur Danielle Bowie, délivrée miraculeusement d'un envoûtement qui l'a fait souffrir d'un ballonnement sous forme de grossesse pendant 4 ans, ou encore de la sœur Sophie Ariel, guérie de l'épilepsie et délivrée de l'opprobre du pipi au lit par le Seigneur Jésus-Christ. Le pasteur Meynier a, dès l'entrée de son message, poursuivi cette série d'exaltations de la puissance salvatrice du Seigneur Jésus-Christ à travers le témoignage de la guérison miraculeuse du paralytique né opéré par les apôtres au nom puissant de Jésus-Christ. Un miracle relaté dans le passage de Actes, le chapitre 3, le verset 1 à 19. Que les gens l'ont vu et dit, regarde-nous. Ils les regardaient attentivement et quand ils l'ont vu, ils lui ont demandé de les regarder. Regarde-nous. S'attendant à recevoir de quelque chose, il était heureux dans son cœur et se disait, ils veulent me donner l'argent. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or. Mais ce que j'ai, je te le donne. Quand il s'est mis à les regarder, Pierre lui dit, là où tu me vois, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas l'or, mais j'ai quelque chose que je vais te donner. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. C'est ce que Pierre lui donne, la délivrance. Lise ce qui s'est passé après. Et le prenant par la main droite, il l'a pris par la main droite et il le fit lever. Il dit, lève-toi. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Depuis ça, il n'avait jamais expérimenté ça. Jamais. Il était devenu fort, ferme. Il pouvait marcher aussi. Et qu'est-ce qui s'est passé? D'un saut, il fut debout. Et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple. Écoutez. Marchant, sautant et louant Dieu. Il est entré avec eux dans le temple. Il dansait, il sautait. Vous savez, là où tu es assis, tu peux obtenir ta délivrance cette nuit. Amen. Écoute le conseil. Si tu me vois, tu as raté. Mais si tu vois Jésus qui est là depuis et qui te tend la main, tu as gagné. Amen.
Les gens n'ont pas, l'être humain n'a pas de discernement. Quelqu'un est né et firme. On lui dit au nom de Jésus, lève-toi et marche. Il marche. Mais les gens admirent les apôtres. Pierre dit non, ce n'est pas moi. C'est qui? Lui. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu de nos pères. Le Dieu de nos pères. A glorifié son serviteur Jésus. A glorifié son serviteur Jésus-Christ. Dieu va glorifier Jésus dans ton vie. Ça va s'accomplir. Après avoir expliqué les implications de ce miracle et le message d'espoir saisi par les invités, le pasteur Meunier n'a pas manqué de préciser à l'assistance qu'il ne s'agit pas seulement de venir et chercher la guérison cette nuit et retourner dans le péché. Mais de même que Jésus a guéri ce paralytique, il peut aussi délivrer tous ceux qui sont esclaves du péché et leur donner la vie éternelle. Il y a des gens qui disent Jésus est à la porte. Ils refusent. Pourquoi? Ils veulent vivre dans l'adultère. Il y a des gens parmi vous qui ne sont pas prêts à servir Dieu. Ils sont venus, ils veulent la prière. Ils veulent guérir de leur maladie et rentrer boire le coutoukou. Ils n'ont pas changé. Ils profitent de tout. De tout. Mais ceux qui veulent vraiment la gloire de Jésus, on choisit la bonne voie. Et Dieu ne peut pas les rejeter. Dieu est bon. Insistant sur le fait que le péché est à la base de tous les problèmes que peuvent subir les hommes, l'homme de Dieu a expliqué comment, à cause de leur attachement à le péché et leur refus de venir à Jésus, plusieurs souffrent de l'oppression des démons à travers des maladies, des femmes et maris de nuit, des blocages et plusieurs autres phénomènes avilissants. Pour confirmer que Jésus délivre effectivement et authentiquement du péché, le pasteur Meunier a lui-même rendu les témoignages de sa rencontre personnelle avec le divin sauveur et les miracles qui l'ont accompagné. Et comme précisé d'entrée de jeu, les débrouillardises du diable à travers la coupure du courant n'a pas freiné le missionnaire dans sa bataille pour arracher les perdus des griffes du diable. C'est avec l'amplification naturelle d'un disciple, et ce en langue locale, que l'appel au perdu a été lancé. Et plusieurs personnes invitées ainsi que des rétrogrades ont répondu à l'appel. Le comité d'organisation a pu enregistrer 87 personnes ayant donné leur vie à Jésus-Christ, sans compter ceux qui sont retournés à leur place assise avant l'enregistrement des nouveaux engagés en fin de programme. Cette nuit a été aussi un moment de délivrance et de guérison. Des démons se sont manifestés, ont été chassés au nom de Jésus-Christ et plusieurs malades ont expérimenté leur guérison sur place. 20 personnes ont pu être écoutées à cet effet en réponse aux prières qui ont été élevées au Seigneur à la suite de l'appel aux perdus. C'est avec des proclamations de bénédiction sur toute l'assemblée réunie que le pasteur Meunier a conclu son ministère.